Salut! Comme de nombreux indices ont pu vous l'indiquer, nous sommes à Londres pour ce début de vidéo. Alors je vous embarque avec moi pendant quelques jours à Londres pour un city trip de folie. J'ai notamment visité les studios Harry Potter, je viens également vous parler d'achats livresques, de lectures effectuées pour le Black November, enfin bref, un programme de fou. J'ai eu l'immense chance et l'immense plaisir de retourner à Londres grâce à des amis plus qu'adorables. J'ai eu l'immense plaisir de revoir Covent Garden et son ambiance hyper chaleureuse avec ses musiciens qui viennent se produire régulièrement. Alors cette fois-ci, c'était une chanteuse d'opéra. Je me souviens, la première fois, c'était un quatuor à cordes. C'est vraiment super chouette. Ensuite, le soir, nous avons été voir Wicked, la comédie musicale inspirée de l'univers du Magicien d'Oz. Alors, je ne connais pas du tout cette histoire et j'ai adoré la découverte. C'était pour moi une première fois une comédie musicale en Angleterre, donc c'était incroyable en tout cas. Et le lendemain, nous sommes allés à Poudlard, nous avons pris le Poudlard Express et nous avons profité du banquet d'Halloween, il restait encore un petit peu. Alors malheureusement, la nourriture à Poudlard n'est pas très vegan friendly, j'ai remarqué. J'ai eu un petit peu de tarte à la mélasse, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose pour moi en tant que nourriture vegan. J'ai dit bonjour au professeur Rogue, mais on n'a vraiment pas accroché lui et moi. J'ai essayé d'avoir un petit peu de chance avec un autre professeur, mais Maugrey n'était pas plus sympathique. J'ai dit un coucou à Buck, qui m'a remis le bonjour d'Hagrid, donc ça m'a fait plaisir. J'ai été dire bonjour dans mon ancienne salle commune, Serpentard, les meilleurs. On s'amuse toujours aussi bien à Serpentard, on casse des noix en ce moment, c'est le pied. J'ai été voir Molly au terrier, elle m'a donné quelques astuces pour le ménage parce que je galère un petit peu, elle a eu pitié de moi, du coup elle m'a donné quelques sortilèges pour cuisiner un petit peu plus vite, aussi m'aider aussi pour la vaisselle, parce que je suis un petit peu submergée, et également une manière de tricoter sans avoir mal aux doigts, trop bien. Je suis allée dans les serres, j'étais dire bonjour au mandragore, j'ai essayé d'en voler une, mais je me suis fait attraper. Du coup, on m'a envoyé chez Dumbledore, et comme tout le monde le sait, Dumbledore est très très sévère. Du coup, pour me punir, il m'a offert une de ses petites fioles magiques. Comme j'en voulais une autre, j'ai essayé de voler le livre des monstres, mais Dobby m'a vu, malheureusement, même s'il a les yeux fermés. Je suis passée au 4 Private Drive parce que j'avais vraiment envie de me venger des Dursley qui sont vraiment insupportables, hein, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'ils avaient peut-être raison. Harry Potter est tellement bête qu'il n'est pas capable d'attraper une seule lettre, c'est clair. Alors je suis allée à la banque de Gringotts pour aller emprunter de l'argent, pour aller prendre l'argent dans mon coffre, mais malheureusement il n'y avait plus rien, c'est un méchant monsieur qui me l'a dit, donc voilà. Je suis du coup partie faire du shopping sans un rond, mais bon, de toute façon j'avais pas besoin de grand chose puisque j'ai déjà une baguette, hein. Je suis quand même diplômée de sorcellerie, donc forcément j'ai une baguette depuis des années. J'ai quand même été dire bonjour à Fred et George qui comprenaient ma situation et qui en Stoum m'ont passé une petite pastille. Pour visiblement me faire du bien, mais en fait ça n'a pas vraiment marché puisque je suis revenue de Poudlard avec une crève gigantesque et j'ai eu plein de boutons. En même temps il y avait un indice, voilà. Même si je ne cherche pas forcément les produits de la licence Harry Potter, j'ai repéré quelques petits bazars que je vous montre. Peut-être des idées pour ceux qui veulent craquer éventuellement, mais par contre ça coûte un bras, un rein, un pied, une dent, c'est très cher ces petits machins. Nous sommes revenus du chemin de traverse en transplanant parce que ça va plus vite et nous en avons profité pour déguster plein de nourriture. Vraiment, beaucoup de nourriture. C'était vachement bon, on a fait que manger et encore manger. Nous avons fait la librairie Forbidden Planet, dans laquelle j'avais très envie d'aller. C'est une librairie un petit peu geek, avec pas mal de fantasy, pas mal de littérature, de l'imaginaire en fait. Et il y avait beaucoup de choses de ma wishlist. Et bon voilà, j'ai acheté quelques trucs dont je vous parle après quand je retourne à Bruxelles. En tout cas, c'est une très très chouette librairie, assez grande. Je pense vraiment pour tous les univers, ceux qui sont fans d'univers Marvel et tous les produits dérivés, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Il y avait notamment les derniers Stephen King qui me tentaient bien. Nous sommes allés à Camden le lendemain, ça faisait des années que j'avais plus été, j'avais un petit peu oublié comment c'était, une ambiance, je sais pas vraiment comment la décrire, très très différente de Covent Garden, beaucoup moins chaleureuse, quelque chose d'un petit peu plus urbain. Et puis ben, c'était l'heure de rentrer après trois jours éreintants, mais vraiment riches en émotions et en partage.
Ainsi, je viens de vous partager une petite ouverture de colis. J'ai été contactée dernièrement par Camille qui avait envie de me présenter son livre. Alors, elle a écrit un conte pour enfants qui va mettre en avant la protection de la faune et la flore. Et sa présentation m'a vraiment donné super envie de le découvrir. Elle m'a gâtée de petites attentions avec des petits objets créés maison autour de son univers. Donc un univers visiblement très riche autour de la forêt. Ça a l'air vraiment très très mignon et très automnal en fait. Je suis très touchée par l'implication de l'autrice dans un univers, il semblerait très coloré. Et c'est un livre qui est adapté visiblement à partir de 10 ans puisqu'il est plutôt dense. Alors elle m'a prévenu effectivement que dans cette première version il y a pas mal de coquilles que j'ai pu déjà effectivement apercevoir. J'imagine et je pense que ça va être rectifié par la suite. Donc quand je vous parle d'implication, elle a vraiment créé tous ces petits objets elle-même pour me les envoyer, pour me plonger vraiment dans son petit univers fait de petites fées et de petites feuilles et de petites tasses de thé, j'imagine. Donc voilà, un petit peu à la manière d'un petit swap avec un petit hérisson. Hello, je vous retrouve pour vous parler de pas mal de petites choses. J'ai décidé de le faire en face cam parce que je me suis dit que ça faisait longtemps. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des petits achats que j'ai fait à Londres, vous parler de lecture parce que j'ai lu des choses et puis de petites réceptions. Je vais commencer par ce que j'ai acheté au studio Harry Potter. Alors honnêtement, j'avais pas forcément prévu d'acheter des choses. L'expérience était incroyable, j'ai adoré, hein. J'ai passé un super moment, c'était un rêve depuis des années, et c'était vraiment incroyable, j'ai adoré. Mais j'avais pas forcément prévu de ramener des choses, peut-être aller un petit souvenir pour quelqu'un, mais j'avais pas forcément prévu d'acheter des choses parce que honnêtement, même si je dois avoir quand même quelques produits au fur et à mesure des années aussi que j'ai accumulé, je dois avoir quelques produits sous licence Harry Potter, je vous avoue que je préfère privilégier des petits créateurs qui vont s'inspirer de l'univers en faisant des illustrations, des bougies, des tasses, etc. Je préfère, en tout cas ces dernières années, j'ai préféré investir mon argent plutôt là-dedans plutôt que d'acheter toujours le balai, la cape, le machin, sous licence Harry Potter. En plus, c'est pas trop mon délire le balai, la cape, parce que je serais pas trop quoi en faire. Je suis plutôt une collectionneuse de mugs et d'illustrations. Mais oui, je vous avoue que je préfère en général plutôt donner mon argent à des créateurs et aussi parce que j'apprécie le travail de tellement de créateurs que j'ai pas forcément toujours envie d'acheter des trucs sous licence. Et je pense que j'ai assez donné pour Harry Potter ces dernières années. Voilà, ils ont eu assez de bon argent, je pense. Mais j'ai quand même acheté un truc. Tout ça pour dire que j'ai quand même acheté un truc parce que je suis tombée sur une tasse que je trouvais vraiment jolie. Et je me suis dit que ça faisait un super souvenir de Londres parce qu'en plus, il était marqué Londres. Et donc, j'ai acheté cette grande tasse. Je trouve vraiment très, très jolie. Je pensais pas trouver quelque chose de si joli dans cette boutique. Et vraiment, il y a le château de Poudlard, et en plus il est marqué London, qui me rappelle notre voyage incroyable entre amis, ça me donne un beau souvenir de ces vacances à Londres, et donc j'avais quand même envie de vous partager cette petite tasse que je trouve vraiment très 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 jolie. Et donc je vais vous montrer les produits que j'ai achetés, enfin les produits n'importe quoi, les livres que j'ai achetés à Londres. Alors j'avais fait une wishlist assez tardivement, en fait j'avais repris tous les livres qui étaient dans ma wishlist en VO et je les avais mis dans une liste et je m'étais dit que j'allais en acheter quelques-uns parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup moins cher que les acheter ici. Et j'en ai pris 4. Franchement, je trouve que j'étais plutôt raisonnable, surtout que j'ai pas dépensé grand-chose parce que souvent il y a des réductions, c'est trop bien. Un des livres que j'avais super envie d'acheter cette année, je l'ai pris, c'est The Girl Who Speaks Beer. Alors c'est un livre de Sophie Anderson. Sophie Anderson, ça fait longtemps que j'ai envie de la découvrir, ça fait 1 ou 2 ans que j'ai envie de me plonger dans son univers, ce que je n'avais toujours pas fait. Et en fait, j'ai commencé un de ses livres dernièrement que je trouve très imaginatif, très doux, très réconfortant. Et j'avais très très envie de lire celui-là qui est traduit en français, hein, qui est sorti, je pense que c'est La Fille... je sais pas comment ils l'ont traduit exactement en français, mais bref, c'est parfait pour l'hiver. Vous le verrez certainement dans ma pile à lire de l'hiver. C'est un univers en général très imaginatif, comme je vous le dis. L'histoire de Yanka qui se pose des questions sur son origine. Parce qu'elle a été retrouvée abandonnée dans une grotte
quand il était bébé. Et donc elle va entreprendre un long voyage en quête de son identité, un résumé plutôt lambda, mais je pense que ça va être très très original. J'ai commencé donc un autre livre de l'autrice, c'est très accessible, c'est très très doux, c'est vraiment mignon, donc j'ai hâte de lire ça en hiver. Et alors, ça c'était chez Waterstones, c'était vraiment, enfin c'était 7,99 pounds, je pense que c'était autour de 10 euros, un truc comme ça, peut-être même 9. 10 euros, un truc comme ça. Oh, la fille qui ne sait pas faire de maths en direct, jamais. Et en fait, le vendeur m'a conseillé un livre qui était en plus à moitié prix, chose qui n'arrive jamais en Belgique. Mais bon, je comprends, le monde du livre n'est pas le même en Belgique qu'en Angleterre. The Very Merry Murder Club, donc c'est un recueil d'histoires autour de Noël, autour de petits meurtres. Ce sont en fait 13 petites enquêtes diverses. Ça a l'air très mignon et en plus, regardez, il y a des petites illustrations sur certains des exemplaires. Il y avait des petites illustrations, donc moi j'ai pris évidemment un exemplaire illustré. Et j'ai un petit autographe de l'auteur et en plus j'ai ma carte Waterstones que j'ai mis là. Je sais pas pourquoi, parce qu'on a un Waterstones ici à Bruxelles, donc visiblement je peux utiliser cette carte que j'ai utilisée là-bas, je peux l'utiliser ici, donc trop chouette. Voilà, petit achat, j'ai trop hâte. Et alors, un livre qui était dans ma wishlist depuis un long moment, c'est Small Favors de Erin A. Craig, sachant que Erin A. Craig, elle a écrit La Maison, je sais plus le titre, House of Salt and Sorrows, mais je ne sais plus comment ils ont, parce que je l'ai pas lu en anglais, moi je l'ai lu en français, chez Casterman, vous savez, l'histoire au bord de la mer, l'histoire de ses sœurs, je ne sais plus, la fille n'a aucune mémoire. Donc ici, je ne sais absolument plus le résumé, j'ai pas envie de savoir, j'ai vraiment envie d'avoir la surprise. Il paraît que c'est incroyable, que c'est encore mieux que l'autre roman de l'autrice. Moi, j'avais pas eu un coup de cœur pour l'autre roman de l'autrice, mais j'avais passé plutôt un bon moment. Donc voilà, je suis super contente, mais j'imagine qu'il va être bientôt traduit. Un livre qui était dans ma wishlist pour Halloween, je l'avais rajouté très récemment, il me tentait énormément. Et en fait, j'ai vu qu'il était à moins 7 pounds, donc il y avait chez Forbidden Planet, il y avait une réduction de... oui, une bonne réduction, quoi, sur 22 pounds, donc franchement assez considérable. Il s'agit de Slow Foot, je sais pas comment on le prononce, A Tale of Bewitchery. Et donc c'est un conte macabre avec des petites illustrations complètement glauques. Voilà, il paraît que c'est vraiment bien glauque, des petites illustrations bien sympathiques, qu'on adore. Un peu à la Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a un petit peu cette vibe-là, j'ai l'impression. Donc je suis super contente, en plus il est vraiment très très beau. Bon, du coup je pense pas que je le lirai cette année parce que là je suis vraiment à fond dans mon Black November, mais l'année prochaine peut-être à la période d'Halloween. Donc ça c'est pour les achats à Londres, c'était incroyable ce voyage, je vais pas encore le dire 10 fois parce que ça ne vous apporte rien, mais voilà, c'était incroyable. Avant de vous parler de mes lectures, je viens vous parler de 3 petites nouveautés. J'ai acheté hier, j'avais pas du tout prévu d'acheter un livre, et en fait je suis tombée sur ce titre que je n'ai pas, et donc comme à chaque fois que je tombe sur un titre de Yoko Ogawa et que je n'ai pas ce titre, eh bien je l'achète. Il s'agit d'une parfaite chambre de malade de Yoko Ogawa. Ce qui est très drôle, c'est que je l'ai ramené à la maison alors que mon compagnon était dans son lit grelottant malade. Je lui dis tiens, c'est pour toi, parce qu'il aime bien aussi Yoko Ogawa. Bon, il va pas le lire tout de suite, mais je trouvais ça drôle justement le jour où on était un peu tous les deux voilà, que je trouve ce livre. Donc c'est 2 nouvelles de Yoko Ogawa, une parfaite chambre de malade suivie de la désagrégation du papillon. Donc c'est une jeune femme qui vient de confier sa grand-mère dans une institution, et donc elle va rendre visite à sa grand-mère qui perd un petit peu la mémoire. Ça a l'air très très touchant. Et l'autre nouvelle, une jeune fille apprend que son frère malade doit passer les derniers mois de sa vie à l'hôpital, et donc on va passer beaucoup de temps à l'hôpital dans cette histoire, mais il y a le côté, enfin c'est Yoko Ogawa, donc je pense que ça va être très très beau, un petit peu lugubre, un peu space, je sais pas ce que ça va donner, mais je connais pas du tout ces nouvelles là, donc je suis très très contente. Alors le livre suivant, je me souviens pas d'avoir demandé, alors peut-être que je l'ai accepté, quelqu'un me l'a proposé il y a un moment, je l'ai accepté, j'ai un peu zappé, mais je me souviens plus du tout. C'est Dans les eaux troubles de Sarah Bailey, c'est la série Gemma Woodstock, c'est aux éditions 38, édition du 38. En même temps c'est très très fort d'actualité.
puisque dans ce roman, on est bientôt à Noël, on est en Australie, il fait super chaud, la ville est sur le point d'exploser, et on va trouver un corps de femme parsemé de roses rouges, et on va trouver ce corps dans un lac, et on va suivre la détective Gemma Woodstock. Écoutez, je vais pas aller plus loin dans le résumé, j'ai vraiment trop peur de spoiler. Je me souviens plus du tout d'avoir demandé ce livre ou de l'avoir accepté, mais en ce moment j'arrive plus trop à suivre. J'ai trop de trucs en tête, donc je pense que j'ai vraiment peut-être oublié qu'on me l'a proposé, que j'ai dit oui bien sûr, et j'ai oublié, voilà. Mais c'est pile poil mon truc, donc je vais pas cracher dessus. En plus, une ambiance automnale, hivernale. Et alors, j'ai reçu le tome 3 du Château des Animaux de chez Casterman, c'est de Delep et d'Horizon. Je vous ai déjà pas mal parlé hein, de la réadaptation en BD du Château des Animaux, de la Ferme des Animaux hein, de Orwell. Et moi j'ai adoré, donc, vraiment je suis super contente. Et je viens terminer en vous parlant de deux lectures que j'ai faites pour le Black November, puisque la première semaine du Black November est terminée, bien terminée, normalement on est dans la deuxième semaine. J'ai lu donc pour cette première semaine, il fallait lire un livre fantastique, un thriller fantastique, quelque chose un peu horrifique, et donc j'ai lu deux choses qui conviennent parfaitement. J'ai lu Mon mari dort dans le congélateur. Alors je pense que c'est une duologie, c'est un livre qui est publié aux éditions Akata, c'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a assassiné son mari au début du livre. Elle ne sait pas trop où le mettre, son mari, elle se dit « je vais attirer les voisins si je l'enterre, donc je vais le mettre dans le congélateur ». Elle découvre qu'elle a un congélateur dans une petite remise au fond de son jardin, et donc elle le met dans le congélateur, donc il est mort son mari, sauf que le lendemain matin, il apparaît quoi, il fait « coucou ». Et elle comprend pas parce qu'elle l'a tué, hein, vous comprenez. Elle va voir dans le congélateur et le corps est toujours là, sauf que son mari est là aussi. Donc elle est là, qu'est-ce que je vais faire? Et elle se rend compte qu'il a un comportement un peu différent de d'habitude, puisque en fait son mari c'est un vrai connard, hein. Il la maltraite, etc. C'est aussi pour ça qu'elle l'a tué. Mais du coup elle se rend compte qu'il est plus gentil avec elle, c'est vraiment étrange, donc je vous en dis pas plus, je pense que j'ai déjà dit beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, alors ce que j'ai trouvé très étrange c'est que c'est un résumé qui donne l'impression que ça va être hyper dégueulasse, hyper glauque. Mais j'ai pas eu l'impression de lire un truc si glauque que ça. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que par les dessins, par le texte, ils ont rendu ça soft. Alors qu'à un moment, elle découpe son mari. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très soft, c'est pas creepy, stressant. Et en fait, ça m'a donné du coup envie de lire le tome 2, mais j'ai vu sur Livre Addict que les avis étaient très très mauvais, donc j'ai un peu peur, donc j'ai plutôt envie d'être spoilée, j'ai honnêtement pas envie de mettre 8 euros dans un tome 2 qui sera peut-être pourri. Ah bien c'est, je pense, la fin de l'histoire, donc je ne sais pas trop si je me lance dans le tome 2, si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai pas trop envie de perdre 8 euros pour un truc que je vais détester, et en même temps j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, voilà, je suis un peu mitigée. Et alors j'ai lu un livre pour donc le Black November. En fait je vous avoue je l'ai acheté pour l'occasion. Je sais que le Black November n'est pas censé vous faire acheter des livres, mais je l'avais vu tellement tellement vanté, il avait l'air tellement incroyable. Et il s'agit donc de Hidden Pictures de Jason Rekulak. C'est un livre qui va nous parler d'une jeune femme qui est une ancienne toxico. Donc là, elle est en rémission depuis 18 semaines, il me semble, ou 18 mois, je sais plus. Enfin bref, ça fait un moment que Mallory n'a plus consommé de drogue, qu'elle en est sortie, enfin qu'elle en sort doucement. Elle est suivie par un coach qui l'aide à remonter la pente. Et ce coach, en fait, l'aide à se remettre dans le droit chemin et surtout à retrouver un boulot. Et donc, il va lui conseiller une petite famille. Il va lui dire, bah voilà, il y a cette petite famille, donc un homme et une femme, la quarantaine, ils ont un enfant, Teddy, qui a 5 ans. Ils auraient besoin d'une babysitter pendant tout l'été, et donc elle va sonner à la porte de ces gens. Le mari essaye un petit peu, en gros il lui dit, bon, ancienne toxico, on a vraiment pas envie de vous prendre. Mais la mère est hyper enthousiaste, elle a super envie de l'engager, de lui donner une chance, et donc elle va l'engager. Et donc notre amie Mallory va travailler dans cette maison, et va travailler en tant que babysitter, elle va avoir
de grands liens avec Teddy, le petit garçon de 5 ans. Elle va dormir, donc la jeune fille, au bout du jardin. Il y a une petite cabane emménagée avec un lit super confortable. Il y a certaines règles qu'elle doit respecter, mais voilà, ça se passe plutôt bien, le contact avec l'enfant. Et elle voit que cet enfant dessine souvent des choses. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il dessine des choses parfois un peu cheloues, surtout qu'il a une amie imaginaire. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Je vous donne un petit peu mon avis. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis rendu compte que c'était un petit peu stressant, mais pas en mode glauque, effrayant, non, en mode stressant. Je suis un peu stressée dans des situations où tout se passe bien, donc on fait confiance à Mallory pour que tout se passe bien avec cet enfant, mais en même temps on sent que ça peut dégénérer et qu'elle peut les décevoir, et moi ça me stresse ce genre de truc, où vous savez, tout se passe bien avec l'enfant, mais on sait qu'elle a ses fameuses petites règles qu'elle doit respecter, et j'avais toujours l'impression qu'à un moment elle allait pas respecter les règles et que ça allait super mal se passer, ça allait se faire virer. Voilà, c'est ça qui me stressait plus que l'ambiance dans ce roman, et du coup à un certain moment, comme j'étais moi-même angoissée dans ma vie, j'ai dû me dire mais en fait je stresse trop pour Mallory, j'ai vraiment trop envie qu'elle soit une super babysitter, mais en même temps c'est classé dans horreur, donc je me doutais bien qu'il allait se passer des trucs, mais j'avais trop peur qu'elle se fasse virer, qu'elle fasse une bêtise, que voilà. Je vous dis pas évidemment ce qui se passe, mais en gros, je trouve pas que ce roman correspond vraiment à la catégorie horreur. On est plutôt sur du thriller d'ambiance, avec peut-être un petit stress, mais j'ai pas ressenti le stress avec les révélations. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Je trouve que, effectivement, c'est un petit peu effrayant. Le stress dont je vous parlais n'a rien à voir avec quelque chose d'horreur. Hein. Là, c'est vraiment un stress de fille qui a de l'empathie pour l'héroïne. J'avais vraiment pas envie qu'elle se fasse virer, c'était plutôt ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est... J'ai pas ressenti de grande frayeur, même qu'on avait des révélations un peu suspectes. J'ai pas ressenti un grand stress. Par contre, je sais que ce livre a été adapté sur Netflix, il me semble, à mon avis... En film ou en série, ça doit être bien stressant. J'ai passé un très très bon moment, de toute façon, ça se dévore, c'est écrit de manière hyper fluide, on est tout de suite dedans, c'est vraiment... On a des révélations, des surprises aussi, moi j'ai été surprise avec ce livre, donc j'ai vraiment passé un super moment. Mais par contre, j'ai pas flippé ma race dans mon fauteuil, hein. non, j'ai un petit peu peur, mais sans plus. Mais franchement, et j'ai même aussi été très touchée par certains moments avec le petit garçon, avec Teddy. J'ai été très touchée par moments de cette relation entre cette babysitter et le petit Teddy. Et par l'histoire aussi de Mallory. C'est vraiment... Stephen King nous dit un style direct et sans fioritures, de réelles surprises, un rythme qui maintient le lecteur en haleine et les illustrations sont excellentes. Je suis entièrement d'accord avec le maître. Oui, c'est hyper fluide, ça se lit très vite, on est tout de suite dedans dès les 5 premières lignes. Et les dessins, effectivement, servent vraiment le récit. Enfin, je vais pas trop vous spoiler en fait avec les dessins. Mais oui, j'ai vraiment passé un super moment avec cette lecture. Je pense que je le mettrai dans mes favoris d'Ouillet qui sortiront très très bientôt. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce livre et je vais donc aller travailler. Voilà, je vous retrouve, je vous montre tout de suite d'autres petites choses et je vous retrouve pour la suite de ce vlog.
Et je termine ce vlog en vous disant que j'ai commencé une nouvelle lecture, enfin non, j'ai repris une lecture que j'avais commencé dans un vlog précédent. Il me semble que je vous en avais déjà un petit peu parlé. Il s'agit de La Dame en Blanc, parce qu'elle convient parfaitement pour la catégorie de la semaine 2, qui est de lire un livre qui a été écrit il y a plus de 10 ans. Et effectivement, c'est le cas. La Dame en Blanc est un des premiers thrillers qui a été écrit par William Wilkie Collins. Et j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais déjà dit la première fois que c'était très immersif, ambiance de Londres. Je reste encore un petit peu à Londres avec ce livre et j'en suis vraiment heureuse.